Sur son petit nuage avec son compagnon Théo Fleury, l'ancienne Miss France Camissaire entame des travaux de rénovation dans leur maison. Mettre la main à la pâte peut être synonyme de danger, en atteste sa dernière story Instagram à ce sujet. De l'amour, des travaux et quelques petits bobos. Camissaire est en train de vivre une vie de rêve, épanouie dans le couple qu'elle forme avec Théo Fleury. La reine de beauté avait officialisé sa relation en juin 2021 en se présentant dans les gradins de Roland-Garros accompagnée de son cher et tendre. Depuis, si est-il amour fou et les deux tourtereaux ont décidé de franchir une étape importante. Tombés sous le charme d'une petite maison lilloise, ils ont décidé d'acheter le bien. Avant de pouvoir s'installer tranquillement dans leur petit nid douillet, Théo Fleury et Camissaire mettent la main à la pâte et entament leurs travaux de rénovation. Régulièrement, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier partage leurs grandes et petites avancées sur Instagram et prend également le temps de répondre aux critiques. Un accident vite soigné en effet, si Camissaire se plaint du temps que les travaux prennent, les internautes aussi y vont de leurs petits commentaires. Pour rétablir les choses, l'ancienne Miss France n'a pas hésité à les recadrer en story Instagram le 21 août 2022. Ce serait cool qu'il n'y ait que des gens qui s'y connaissent vraiment qui nous conseillent, s'exclamait-elle. Jeudi 2 mars 2023, si est-il de leur soutien que la jeune femme avait d'ailleurs besoin. Sur sa story Instagram, on découvre que le jeune couple s'est affairé à poser des moulures au mur. Mais l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu, comme l'explique Camissaire en story. Note à moi-même, toujours porter des lunettes de protection, commence-t-elle par écrire en partageant une vidéo de son œil devenu rouge. J'ai reçu un éclat de clou en métal dans l'œil cet après-midi. Tout va bien, je me suis opérée toute seule. Aucun ophtalmologue ne pouvait me prendre en urgence. Plus de peur que de mal, mais les prochains travaux, il est certain que la Lilloise sera protégée de la tête aux pieds.